Les boues sont épandues par un prestataire du CICEG et nous nous occupons de réaliser l'enfouissement avec un déchaumeur à disque pour incorporer la matière organique le plus rapidement possible après épandage dans le champ. Les boues de station sont analysées tous les 15 jours. Il y a également une fréquence de retour sur les parcelles qui est assez espacée, il y a tous les 3 ans en règle générale. Il y a également un état des lieux d'implantation sur le quai d'épandage, donc il y a des analyses de sol qui sont effectuées et un contrôle de ces mêmes sols au bout de 10 ans. Ça nous permet d'être assez serein quant à la qualité des boues. Alors, les bénéfices pour nous sont multiples. Il y a tout d'abord un bénéfice agronomique, car les boues sont stabilisées à la chaux. Et cela nous permet de maintenir un pH satisfaisant dans nos sols pour les cultures. Les boues sont également riches en matière organique et c'est un intérêt agronomique important pour nous. Il y a également un deuxième volet important, c'est le côté économique, car les boues sont riches en éléments nutritifs, notamment en azote et en phosphore. Également certains oligo-éléments, mais essentiellement azotés et phosphorés. Et ce qui nous permet de réaliser des économies notables sur nos amendements.